Bienvenue là dans ce moment de nouvelle lune, un moment où vous allez pouvoir revenir à vous, vous intérioriser et accueillir tels des messages inspirants de la part des guides, du collectif des guides de lumière, avec et en réponse à ce qui est là pour vous à cette étape de votre vie. Alors simplement déjà, je vous invite à ressentir votre respiration. Souffle de vie qui circule, sans faire de bruit, a priori, dans votre corps. Votre corps qui est comme une terre fertile, créative, autonome, intelligente. Voilà, goûtez à la présence de votre souffle au cœur de votre terre qu'est votre corps. Votre corps installé là où il est. Présent, présente à vous-même, à l'écoute de vous. Accueillez les pensées qui circulent, les émotions qui sont là. Cela passe, cela circule en vous. Et vous restez dans la contemplation de votre respiration. Et la contemplation de ce qui circule en vous. Sans vous accrocher à rien, sans vous appesantir sur rien. Sans rien harponner en vous. Juste laisser être, laisser faire ce qui est là. Ressentez la respiration, le souffle de vie qui est en train de travailler pour vous, là. Conscientisez vos organes, les muscles, les fluides, les cellules, en train de travailler pour vous, là, ici et maintenant, dans chaque cellule de votre corps. Sans fuir votre corps. Peut-être même en demandant pardon intérieurement à votre corps de ne pas avoir été plus amical avec lui. Tendre, doux, aimant, patient. Comme un cavalier avec sa monture qui reprend contact avec sa monture pour lui offrir un regard tendre, empli de compassion, de respect. Car il s'agit là d'un équipage, vous avec votre monture, votre habitacle, votre corps. Chaque cellule de votre corps vous parle à sa manière.
chaque sensation dans le corps, quand elle existe, est en train de vous parler. Comme si là vous acceptiez de vous mettre pleinement à l'écoute de votre partenaire dans cette incarnation, qui est là 24 heures sur 24 avec vous, votre corps, pure matrice intelligente. Votre corps dans lequel certes vous êtes confiné et pourtant libre. Libre d'adopter votre corps comme un vêtement royal. Pour rehausser votre dignité intérieure, retrouvez le sentiment de la valeur de vous-même. À chaque cycle de votre respiration. Chaque corps sur cette planète, chaque corps vivant fait partie du grand corps humanité. Telle une perle d'un merveilleux collier, vous êtes là dans votre unité, dans votre unicité, faisant partie du tout, à la fois séparé et à la fois réuni, à vous-même. Et aux autres. À la santé que cela respire en vous. Continuez, continuez de goûter au meilleur pour vous là. Tandis que le canal énergétique monte plus haut pour accueillir les êtres de lumière, collectifs de lumière. Bienvenue, bienvenue à vous en ce moment de nouveau cycle sur cette planète Terre ronde à souhait pour vous rappeler à vos propres rondeurs, à vos harmonies intérieures,
Un nouveau cycle débute qui est à la fois telle une continuité de cycles que vous avez bouclés et recommencés, et bouclés à nouveau et recommencés. Et en ce cycle-là, qui s'ouvre à vous, nous vous invitons à y voir telle une opportunité majeure de vous inscrire au cœur même de la vérité de votre cœur, de cette essence à l'intérieur de vous qui vous anime, qui vous imbibe, que vous l'appeliez votre sagesse intérieure, votre cœur, votre âme, votre intuition, l'intelligence de votre être. Il s'agit en ce cycle nouveau d'une rencontre profonde visant une réunification, une alliance avec vous-même, pour que vous redeveniez vous-même avec vous-même, nous dirions dans vos propres mots, une famille idéale, vous acceptant davantage, sous tous vos angles, avec toutes vos facettes, qu'elles soient arrondies, obliques, tranchantes, coupante, adoucie, rugueuse. La paix première à continuer de considérer est celle vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos pensées, vis-à-vis de vos croyances, vis-à-vis de vos comportements, vis-à-vis de votre manière d'être et de faire. De revenir à la paix, paisibilité. C'est comme si nous vous disions, vous vous devez bien cela à vous-même, d'être en paix avec vous-même. Quelles que soient les météos extérieures, quels que soient les climats extérieurs, liés à la fois à la météo, certes, et à la fois à vos coreligionnaires, vos concitoyens, et la nature à l'extérieur. Il s'agit d'un retour à l'équilibre de la paix à l'intérieur de vous, en votre royaume intérieur, en votre corps, en votre esprit, en votre cœur, en vos émotions, en vos paroles, en vos ressentis. Une clé que nous vous offrons, que vous connaissez déjà, est le thème de l'acceptation. D'accepter ce qui est là, à l'instant où cela est là. Pour ne plus combattre, tel des Don Quichotte, ce qui est là pour aller dans le sens de vos désirs, de vos aspirations. Vos désirs se réaliseront. Quand vous avez lancé votre canne à pêche de désirs, sachez que vous pouvez vaquer à vos occupations, vos désirs se réaliseront. Maintenant, chaque instant présent vous demande d'être davantage en équilibre avec vous-même, en paisibilité avec vous-même. D'être en paix avec vos joies intérieures, avec vos tristesses intérieures, avec vos colères intérieures. Avec toute la gamme, oui, des émotions qui colorent votre œuvre artistique qu'est votre corps, votre instrument de musique. Et nous vous donnons ainsi cette image que votre corps est tel un instrument de musique pour que vous puissiez ainsi facilement vous souvenir, vous rappeler qu'un instrument de musique, notamment tel un violon, violoncelle, une harpe, a des cordes. Et vous-même avez moult cordes à votre arc, dirions-nous, en votre instrument, qu'est votre véhicule d'incarnation.
avec vos corps physiques et subtils. Et plus vous reconnaîtrez toutes les cordes de votre archer intérieur, plus vous ferez alliance avec vous. Comme si vous rentriez en communion avec la sagesse initiale de votre être qui vous permet d'expérimenter moult, moult, moult situations afin de vous apprendre sur vous-même qui vous êtes, comment vous fonctionnez, comment vous vous aimez et comment vous aimez. Et plus vous accorderez votre propre instrument de musique à la vibration de l'acceptation de toutes vos facettes, plus vous verrez les autres êtres humains partenaires de jeu sur ce terrain de jeu qu'est la Terre, plus vous pourrez jouer dans des duos, des trios, des orchestres, des chorales, où il y aura moins de disharmonie. Vous viserez plus l'harmonique. Non point que chacun se ressemble, non point, mais que chacun dans sa différence, sa spécificité, monte à son octave supérieure pour que le tout vise l'harmonique. Et c'est ce cycle qui vous proposera de créer de nouveaux arpèges, de nouveaux accords avec vous-même et avec les autres. À partir du moment où vous allez pleinement accepter, nous dirions même à 125%, vous aimez dépasser les limites, être dans la marge parfois, eh bien, plus vous pourrez vibrer la vérité de votre être et accepter la vérité de l'être en face de vous ou à côté de vous ou loin de vous. Et vous accueillerez davantage de bénédictions, de voir la vie à l'œuvre, les âmes à l'œuvre, au cœur même des personnalités égotiques qui s'agitent, s'ébrouent. Et vous vous rappellerez qu'au bout du compte, chaque vivant sur la terre ne cherche que à aimer. S'aimer soi-même, aimer ce qui est autour. La nature, oui, la nature, les autres partenaires de vie. Accueillez, si vous le voulez bien, un moment votre enveloppe physique avec vos corps subtils, tel un merveilleux instrument de musique. Pour cesser de trépigner, de rechigner, de ne point être encore dans l'excellence que vous aimeriez bien viser et obtenir et vivre. Respirez. Tandis que nous aidons énergétiquement à davantage de détente. Et d'équilibre.
Rappelez-vous qu'un instrument de musique vibre. Lorsque le musicien lui offre des doigts agiles, un cœur doux, un regard souple, une attitude souple et forte et puissante à la fois. Ressentez, accueillez comme cela vibre en vous, car vous n'êtes que vibration, agrégat de vibrations, rempli d'informations, rempli de lumière, rempli de conscience, rempli d'amour, rempli d'intelligence. Vibration. Vous êtes tel un diapason. Rappelez-vous que lorsque vous tapez parfois sur un diapason, il y a une vibration et un son. Ressentez, vous êtes diapason. L'air souffle sur vous comme une douce caresse, un doux baiser, un doux encouragement. À ce que vous vibriez votre note la plus juste, la plus authentique, la plus honnête. Accueillez, laissez vibrer, laissez résonner en vous. Vous êtes onde, vous êtes particule, molécule, et à la fois vous êtes tout le vivant. Hologramme de tout le vivant et principe unique, couleur unique, parfum unique, vibration unique, onde unique. Accueillez votre vibration, soprano de vous-même, ténor de vous-même, sans vous accrocher à vos barreaux intérieurs, à ce que vous avez cru être des prisons. Vous avez toujours été libre, libre de vos réponses, libre de vos choix, libre de vos pensées, libre de vos croyances. Chaque vibration est porteuse de l'énergie amour. Chaque instrument de musique porteur de l'énergie
amour. Chaque diapason porteur de l'énergie amour. Chaque bol chantant porteur de l'énergie amour. Sentez, sentez que vous pouvez vous laisser devenir tel un merveilleux récipient pour accueillir la vie. C'est ce que vous faites à chaque cycle de votre respiration. Vous accueillez la vie. Et la vie est amour, équilibre, harmonie, intelligence. Devenez récipient. Tel peut être, oui, un Graal. Tel un vase. Accueillez. Le souffle de vie qui est déjà amour. Vos organes, les muscles, les cellules, déjà amour. Le son que vous entendez, déjà amour. Votre respiration, déjà amour. Vos pensées, porteuses d'énergie d'amour, quelle que soit la coloration des pensées, ainsi que de celles de vos images intérieures. Ressentez, imaginez, récipient vous êtes, Graal vous êtes. Vous contenez déjà l'énergie de la source, l'énergie initiale. Et vous y révélez, vous y déployez votre véritable énergie, votre vérité, vos couleurs, vos arpèges. Accueillez encore un moment, tandis que nous déposons tout autour de vous telles des gerbes d'énergie qualitative que vous pouvez inspirer tel un nouveau nectar, empli d'embrun lumineux. Qui ne veulent que révéler votre véritable potentiel, vous installer au cœur de vous-même, au centre de vous-même, comme pour accueillir avec plus de facilité, d'agilité, toutes les turbulences extérieures, les vents extérieurs, les orages extérieurs. Accueillez, goûtez, goûtez.
accueillir le soin énergétique que nous vous prodiguons, si vous le souhaitez à cet instant. Tout le collectif de lumière est là et vous guide pour un soin gorgé de tendresse, de délicatesse, pour cet être d'amour que vous êtes, de tout temps, de toute éternité et à jamais. Vous, être de lumière vous-même. Accueillez encore un moment. En ces temps que vous pouvez qualifier de temps de crise, il s'agit de retrouvailles avec vous-même. D'épousailles pleines et entières avec vous-même. Et vous êtes sur ce chemin-là. Déjà avancé sur ce chemin. Et vous continuerez comme à affiner votre démarche sur ce chemin, de vivre en bonne compagnie avec vous-même, en authenticité avec vous-même, acceptant que les autres soient en authenticité avec eux-mêmes, même si leur point de vue vous déplaît. Vous verrez davantage dans chaque contraste de pensée les nuances qui existent dans la manière dont chaque être humain peut appréhender une seule et même expérience, situation, un événement. Vous pourrez découvrir encore et encore au fur et à mesure que vous œuvrez et vous cherchez tous sur cette terre les mêmes éléments, les mêmes récompenses, les mêmes aliments, les mêmes nourritures, physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, relationnelles, à gorgée nutritive, à portée nutritive, nourrissant votre cœur, nourrissant votre âme, nourrissant votre esprit, nourrissant votre cœur, nourrissant vos intelligences. Car chacun, quelque part, sur cette terre, à sa manière, vous le savez, vous le vivez, vous le vibrez, est en quête à la fois d'éternité, de cet amour éternel, immortel, intemporel, universel, de cette reliance où chacun se sent inclus, compris, intégré, sur une même fréquence.
Et si en fait, et ceci est une clé que nous vous offrons pour ce cycle, et si en fait, chaque vivant que vous rencontrez, que vous écoutez et écouterez et rencontrerez, est exactement la voix qu'il faut à vos oreilles et à vos regards pour voir que vous partagez le même tableau merveilleux. Dans le grand cycle de la vie, dans le grand livre de la vie, dans lequel chaque page se tourne chapitre après chapitre, révisant les mêmes thèmes, dans des intrigues différentes, des suspenses différents, mais pour une même conclusion, que tout est amour. Une vie aide à cela. Rencontrer l'amour sous ses milliards de couleurs, de parfums, de textures, de saveurs, d'émotions, de réflexes. Ressentez, ressentez que depuis même votre premier instant de vie en cette incarnation, depuis vos jeunes années, vous n'avez eu de cesse que de trouver, chercher, rencontrer, expérimenter l'amour, aimer, être aimé. Même en vous habillant de vos habits, moment d'amour, texture à texture, texture du vêtement, en harmonie avec la texture de votre corps. Quand vous vous nourrissez, adéquation de l'amour, de la nourriture qui s'offre à vous et de vous qui l'intégrez, l'ingérez en votre corps, la digérez, amour. Amour dans les œuvres d'art, tout ce qui est créé a été rêvé par un être, quelqu'un, par amour, pour l'amour, au nom de l'amour, pour le bien de soi et du plus grand nombre, pour aider par amour. Tout vibre, toute matière vibre. Votre corps est tout autour de vous. Et tout ce qui vibre est porteur de l'énergie amour. Alors nous vous invitons un moment à accueillir l'énergie amour qui est déjà là, qui a toujours été là, qui sera toujours là et dont vous affinerez votre rencontre. Votre expérience avec et dans cette qualité vibratoire à accueillir. Tandis que nous offrons à votre enveloppe aurique telle une caresse énergétique, votre aura qui est telle un cocon protecteur. Et nous offrons ainsi à votre champ énergétique une détente pour que toute votre personnalité puisse comme trouver davantage de paix, de réconfort et d'inspiration. Là. Et vous préparant à tout ce nouveau cycle. Où vous expérimenterez toute cette vibration que vous laissez monter en vous maintenant.
Accueillez un moment encore. Accueillez encore en sentant que cela respire en vous. En sentant que nous vous offrons un soin au niveau de votre quatrième chakra, chakra du cœur. Si vous êtes d'accord pour le recevoir, bien sûr. Accueillez, accueillez. Et nous voyons que énergétiquement, c'est comme si vous aviez des chaussures d'enfant à vos pieds, avec des lacets. Et des lacets qui avaient été noués entre les deux chaussures. Et comme si vous aviez, quelque part à l'intérieur de vous, pris l'habitude d'avancer. Et nous dirions dans votre expression, en vous cassant la gueule, en trébuchant. Alors simplement imaginez, imaginez ces deux chaussures dont les lacets étaient entrelacés. Eh bien, ils se délacent pour que chaque lacet fasse un joli nœud sur la chaussure correspondante. Et c'est parce que chaque lacet va être exactement au bon endroit sur sa chaussure que le couple de chaussures va pouvoir cheminer de concert, ensemble, en harmonie, en unité, à une fréquence adaptée. Pour que vous puissiez refaire telle des claquettes. Pour faire un nouveau bruit, un nouveau son, une nouvelle harmonique dans vos relations à vous-même et avec autrui. Accueillez, accueillez ce qui circule en vous. Même les nouvelles images, les pensées, les idées, accueillez.
et ressentez que ces deux chaussures font bien la paire. Et que vous revenez ainsi d'aplomb dans vos pompes, comme vous dites souvent. Accueillez encore un moment, comme si vous vous ouvriez pour recevoir encore davantage un baume énergétique que nous émanons vers vous, tout autour de vous, et que vous pouvez même boire, manger, vous frictionner avec, ou simplement vous laisser tel asperger par cette onde, telle un nouveau parfum inspirant pour vous. Accueillez encore un moment. Et nous vous invitons, si vous le voulez bien, à poser une main sur votre cœur, en sentant que nos propres mains énergétiques sont avec vous, dans les vôtres, avec les vôtres. Comme pour adoucir votre cœur, pour que désormais vous alliez, notamment dans tout ce cycle nouveau, là, avec davantage d'énergie, pour concrétiser les rêves de votre cœur, pour recréer des relations encore davantage conscientes, qui vont ramener de la confiance, de l'équilibre, en chacun et entre tous. Accueillez nos mains sur votre cœur, en sachant que nous serons là autant de temps que vous le souhaiterez durant tout ce cycle qui s'ouvre là à vous, pour vous accompagner, vous guider, vous éclairer, vous inspirer. Accueillez.
et nous avons été honorés de vibrer ce moment en vos compagnies. Nombreux étions-nous avec vous, autour de vous. Nous honorons vos cœurs, nous honorons vos états d'esprit, nous honorons vos quêtes, vos recherches, vos intentions issues de votre cœur. Nous vous aiderons à réaliser ce qui est en cours et à venir. Et nous remercions ce canal de son ouverture, de sa collaboration. Et nous retirons en sachant que nous nous reverrons, et notamment à chaque fois que vous appellerez vers vous nos énergies. Béni êtes-vous. Et vous allez pouvoir revenir à la conscience pleine et entière de votre corps, bouger, vous étirer, puis rouvrir les paupières.